Avant, c'était au fin fond des couloirs qu'on cachait les bibliothèques. Aujourd'hui, elles constituent le point de mire, comme la médiathèque de Nantes. La médiathèque s'inspire à la fois du passage Pommeraye tout proche et du centre Pompidou à Paris. Le centre possède un matériel ultra moderne. الدار كي حكيت لهم اللي نخدم في بوبور ظنوها في الوزارة لحد ما انا Des bibliothèques favorisent le français face aux langues dominantes comme celle-ci à Rabat ou comme celle-là située à 1500 mètres du petit bourg de Villers, fief du dialecte alsacien. Maintenant, les bibliothèques font naître des commerces alentour, à Paris notamment. Celle-ci ressemble à une librairie. Avant, c'était des endroits très obscurs. Elles étaient vaguement éclairées d'en haut par des verrières. Aujourd'hui, leur baie latérale restitue la lumière. Plaque numéro 144. Numéro 152, s'il vous plaît. Pompidou, la bibliothèque verte. Effervescence. Bonjour Claudine. Convivialité. Bonjour, je crois qu'il m'en manque un, je ne sais plus lequel. C'est quoi ? Je crois me souvenir que c'était Graziella. Oui, c'est ça. Contraste avec ce lieu du silence où le moindre bruit surprend. Ici, l'abondance du papier raréfie l'oxygène. Mal des bibliothèques, qu'on évite à Nantes, moins dense en livres. Pour s'y retrouver, des fiches. Pour avoir ce livre, recopiez bien 8 LE 58 en haut, 15, 4 Romains 19. On se sent tout puissant quand on a le droit de retirer le tiroir. Maintenant, on modernise les catalogues. Le lecteur a droit à des cours du soir. Dernier problème. Dans quel ordre seront placés les livres cotés ? 9 traits d'union 9, 99.9, 989.9 et 989.9 entre parenthèses 99, fermez la parenthèse. À l'avant-garde,
le catalogue de Nantes. Grand Jouan, le meilleur cinéaste nantais. L'archange et Robinson, ou le roman nantais par excellence. La machine répond aussi à des demandes d'information générale. À Villers. Le livre, c'est pour les grands, le reste, c'est pour les mômes, disait-on. Ce fut une révolution que de mettre près des livres ces cassettes. Pour se faire accepter, elles imitent le livre, se confondent avec lui. Diapositive, vidéodisque. J'ai gagné. Les amis des livres n'ont pas encore compris que cet engin servait à autre chose. Il cherche en vain un cinéma où passe Terre sans pain, dont la cassette est toute proche. Fiatalok már a gyárban kezdik munkás életüket, de rendszerint ők is falun élnek szüleiknél. Votre attention, s'il vous plaît. La direction vous signale qu'un vol vient d'être commis dans la bibliothèque. Nous vous recommandons de bien surveiller vos affaires. Merci. Allô? La culture populaire est aujourd'hui admise dans les bibliothèques. Il faut demander au bureau le journal L'Équipe. Ça limite les vols.
près de la bibliothèque de Rabat, 20 minutes avant l'ouverture. Ils lisent peu de livres français. Ils étudient leurs cahiers de cours. Ils viennent ici, faute de place chez eux et dans les écoles. Mais ils seront bientôt séduits par l'ambiance culturelle française. La bibliothèque achète ses livres aux libraires voisins. À Pompidou, pas de censure. La taille du livre permet l'usage incognito. L'incognito n'est plus possible avec la vidéo, qui déroge au chacun dans son coin bien français. Naguère, dès la sortie, on ôtait la couverture obligatoire pour pouvoir lire et on la remettait au retour des livres. Autrefois. Pourquoi mangeait-il seul avant midi? Pour éviter la foule à la bibliothèque et y entrer sans trop attendre. Le ticket pipi. Une heure plus tard.
Aujourd'hui, c'est le livre qui démarche le lecteur. Le retour des livres. J'en prends 15. J'en prends 15. À Pompidou, on a tout, tout de suite. Tu bossais sur Kant? J'allais partir, mais je suis tombé sur un article introuvable. Le rôti va être brûlé, et ton oncle t'attend depuis une heure. J'arrive. Une seconde, laisse-moi finir. Pompidou, je le retiens, celui-là. Derrière la religion, il retrouvera vite son livre de main.
À Nantes. Un seul regard embrasse toute la culture. Cette disponibilité rend désinvolte. On a donc éloigné les WC de la salle de lecture. Avant, c'était la pleine connaissance d'un seul livre, ou de quelques auteurs, ou d'un seul. Écria d'une voix éclatante le fameux mot l'Archimède, « Eureka, j'ai trouvé ». Honoré de Balzac, 1834. Maintenant, on veut tout connaître, tout enregistrer. Il ressort de la comparaison des chiffres d'ensemble que dans les établissements observés en province, la répartition Les cigognes pullulent en Extrémadure, ici des cigognes sur les remparts de Cáceres. El Burgo, champ d'olivier, chèvre dans la montagne, Ronda, deux chèvres, deux religieuses dans une rue du même quartier.